Amis de TV Liberté, bonjour. Nous filons tous les trois au cinéma avec Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour et Maxime. Anne. Bonjour Anne. Et nous allons partir tout de suite en Afrique parce que je trouve que par ces temps électoraux, aller voir cette satire d'un Nigérian, une satire africaine de qui s'appelle Maman, et qui est un homme d'une grande, grande finesse, c'est absolument régalant. Alors l'histoire, c'est un groupe d'hommes et de femmes, d'observateurs internationaux, envoyés par la communauté internationale. Déjà, quand on voit l'emphase du mot, la communauté internationale. Et l'ONU, patronnée par l'ONU. Pas l'amalgame, Anne. Pour aller observer donc les élections du président fondateur du Gondwana qui se présente pour la quatrième fois, à chaque fois avec des scores fantastiques. Et qui s'intitule La République très, très démocratique. Oui, déjà ça, La République très, très démocratique, dans la première ligne du film, on est écroulé de rire parce qu'on pense à d'autres pays très, très démocratiques comme le nôtre, où des millions de Français n'ont que deux députés à l'Assemblée nationale. – Ou la RDA. – Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans ce film, parce qu'on n'est quand même pas totalement réussi dans la mesure où il a pris un ton un peu acerbe, un peu caricatural, un peu comique, mais c'est un peu foutraque dans tous les sens. – Non, moi, je ne trouve pas du tout, c'est africain. – Oui, non, mais il n'y a pas que les Africains, il y a aussi… les Français, Duléry Antoine Duléry. Antoine Duléry. Qui est le chef de la mission. Oui, on a dû lui demander d'en faire, il en fait vraiment beaucoup, pour aller vendre ses asperges, etc. Donc ça part un peu dans tous les sens. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, le comique est réussi dans certaines scènes. Vous avez les deux Noirs qui sont en taxi, enfin qui dirigent un petit peu, qui dirigent pour les mettre à part et leur montrer ce qu'il faut montrer et les empêcher de fouiner un petit peu partout. Et alors ceux-là passent leur temps à s'engueuler, entre guillemets, en tout cas pas la vraie, ils ne sont pas d'accord sur la définition de l'ONU, la définition de tas de choses. Ça, c'est à mourir de rire. J'en avais les larmes aux yeux, il y a vraiment des choses très très drôles. Et puis derrière, ce qui est très intéressant, c'est quand même la critique, de voir qu'effectivement, ce sont des régimes dits démocratiques, on sait très bien que ces élections sont truquées. Qui sont complètement tyranniques. 9 fois sur 10, c'est truqué. Oui. Ben oui, les opposants sont en tôle. On tire dessus après les élections. Oui. Bon, et que les instances internationales cautionne, puisqu'il n'y a jamais rien eu. Ils vont là-bas, ils se gobergent, ils vont se tirer quelques noirs, sûrement, ils vont dans les grands hôtels, ils sont logés, nourris, on les drive, ils vont jamais dans les campagnes, ils restent dans les grandes villes, où c'est plus ou moins fait, et puis, élection truquée, comme diraient les gauchistes, élection piège à con, et c'est ce qui se passe en Afrique, et c'est cautionné par tous les Européens, par la communauté internationale. C'est un film qui est quand même drôle, et qui derrière nous montre qu'il ne faut pas quand même se fermer les yeux sur la réalité des choses, donc c'est à voir, je suis d'accord avec vous. – Et puis on voit une élite, qui essaye de prendre le pouvoir, et la scène où ils arrivent à changer les destinataires des 52% d'électeurs, c'est fabuleux, avec des ordinateurs. Là, on se prend à rêver et on se dit… – Mais en même temps, c'est ça qui est bien, c'est que ça n'est pas pessimiste, parce qu'il montre quand même qu'il y a des jeunes Africains, des hommes et des femmes, qui se battent pour une vraie démocratie là-bas. Maintenant, à savoir si ces pays-là sont faits tout de suite et sont mûrs tout de suite pour la démocratie, c'est un autre débat. Alors pourquoi ce titre « Bienvenue au Gondwana » C'est quoi le Gondwana Le Gondwana, en fait, imaginez-vous que c'était le nom du continent qui était le continent qui était sur les océans il y a des centaines de millions d'années, avant qu'il se disloque et qu'il fasse l'Afrique, etc. Il est appelé le Gondwana. Et c'est très curieux parce qu'en relisant un certain nombre de choses, je me suis rendu compte que dans les années 60, il y avait un producteur qui s'appelait Monsieur Raoul Lévy, juif qui était assez doué, mais qui était un petit peu fou, et qui voulait faire un film sur Marco Polo, avec, et j'ai découvert ça en relisant des papiers cinéma, donc avec dans le rôle de Marco Polo Alain Delon, et c'était Christian Jacques qui devait faire le film. Bon, évidemment, il n'a pas payé pendant les 3 derniers mois, il avait sa société qui était en faillite, il y avait la brigade financière, etc. D'ailleurs, un mois après, il s'est suicidé.
Et le film s'est fait qu'avec Horst Buchholz à la place d'Alain Delon, parce qu'Alain Delon a senti que c'était le roussi, il avait quitté, Christian Jacques avait quitté, et c'était de la Patellière qui l'a fait finalement ce film, qui paraît-il est une grosse ânerie, qui est sortie en 64-65. Mais il y avait un budget absolument démentiel, et il y avait sur 1000 mètres carrés une partie d'échecs où les tours étaient des vrais tours, il y avait des éléphants, mmh. il y avait des vrais chevaux, etc., qui devaient être tournés. Il y a une partie qui a été tournée, mais la pellicule était perdue. Et cette partie d'échec était entre Alain Delon et un fameux sultan du Gondwana. Ah, très, c'est curieux quand même. Très, comme quoi bravo. Dans le cinéma, on retrouve des choses. Bravo. Mais en tout cas, allez-y, chers amis de TV Liberté, parce oui. que... en ce moment, ça fait du bien. Vous, et alors, c'est, nous y sommes allés à 6h du soir, il n'y avait que des Africains, les Français n'ont pas l'air très concernés, et pourtant, c'est un sujet bien moi, français. Que ils riaient, ils riaient. Les Africains riaient. Oui, oui. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'abord, quand même, c'est un film un peu africain, et c'est quand même pas si courant que ça. Non, non. Et non. Surtout... Il n'y a pas l'ombre d'une caricature sur les sujets habituels, si oui. vous voulez. On se fout, au contraire, on se fout des caricatures. Et il y a trois personnages que j'ai bien aimés aussi, c'est les deux sages avec des grandes tenues blanches qui parlent par proverbe africain. Ça, c'est très bien fait aussi. Plusieurs crocodiles dans le même marigot, ça ne peut pas aller. Enfin bon, bref. Et puis, il y a ce jeune Suisse, mais qui est tout noir, qui fait partie de la communauté internationale. Et tout le monde se moque de lui. Et qui n'arrive pas à passer aucun contrôle en Afrique parce que. Les préjugés et les images des Africains eux-mêmes. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une mission internationale, ça ne peut être que des Blancs. Ça ne peut être que des Blancs. Il ne peut pas y avoir de Noirs. Donc c'est vraiment plein de finesse. Moi, j'ai ri. À propos de cette République très, très démocratique, parce que vous le savez, nous n'aurons jamais assez de démocratie. Ah oui, il y a un moment fantastique. Le président ne va pas débattre, le président fondateur, ne va pas débattre avec l'opposant, parce qu'il n'est pas démocratique. Ça ne vous rappelle pas Jean-Marie Le Pen et Chirac. Ça vous rappelle exactement ouais. Chirac et Jean-Marie Le Pen. Chirac, qui nous dit, on ne peut pas discuter. Donc, vous rirez, et ça vous consolera d'un certain nombre de couleuvres qu'on avale tous oui, les jours. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on sort des clichés, parce qu'on a l'habitude de voir l'Afrique égale les miséreux, non, les petits paysans avec leurs machettes, etc. On quand même dans un univers moderne où les Africains ont le téléphone, etc. Et ce type Maman est un type très fort. Et puis, une critique politique, qui est quand même drastique. Assez puissante sur des réalités qui sont celles de l'essentiel des pays, notamment d'Afrique subsaharienne et en particulier francophone ou d'Afrique centrale. Mm. Et ça, c'est quand même quelque chose sur lequel on ne peut pas fermer les yeux et sur lequel le film nous invite à réfléchir. Mm. Frédéric, vous avez encore plein de choses dans votre panier. Plein. Non, mais je suis allé voir Life, Origine inconnue. Oui. Alors, ça, c'est un film, il faut aimer la science-fiction. Oui, c'est vrai. J'ai vu la présentation. Vous avez vu la présentation. Ça se passe en huis clos, c'est la sonde Viking qui revient de Mars, donc vous avez toute une mission qui est là-bas, dans la mission, naturellement. Ils sont très gentils, parce qu'ils ont mis le chef de mission, c'est une Russe. Ils sont gentils, les Américains, par moment. Donc, vous avez deux Anglais. Vous savez pourquoi ils ont mis deux Anglais ? Parce que ça leur a permis de mettre une femme et un noir. Politiquement correct, ça c'est bien vu. Et puis, il y a un japonais, enfin, il n'y a pas de français. C'est un peu dommage, mais bon. Ceci étant, c'est un film qui est un petit peu entre Alien de Ridley Scott et les films de John Carpenter, pour ceux qui connaissent la science-fiction. C'est très bien fait, c'est en huis clos, ça a été fait avec pas énormément de budget, mais pourtant, on ne s'ennuie pas un instant. Donc, ils sont là, ils ont découvert une espèce de petite chose qu'ils ont ramené de Mars, qui est une espèce de cellule. Mmh. Et puis, la cellule, en fait, c'est des muscles et des neurones. Mmh. Elle se développe et ça devient quelque chose d'absolument extrêmement dangereux. Donc, ils ne veulent pas le ramener sur Terre. Donc, ça se passe à bord du vaisseau. C'est bien fait. C'est très bien fait. Pour ceux qui aiment un peu la science-fiction, c'est bien fait. Du très début bien. Jusqu'à la fin. Très bien. C'est un bon film. Oui, et puis ça pose une question qui me semble intéressante, qui est c'est ces gens qui trouvent en fait une force maléfique hein, dont on comprend qu'elle a détruit Mars en fait, puisque Mars aurait eu une grande civilisation qui a été détruite par cet organisme. Est-ce qu'ils doivent tous mourir en fait pour empêcher que ça se propage sur la Terre? Donc jusqu'où... Tous, sauf qu'à la fin, c'est différent. Donc il voilà, faut avoir vu la est-ce fin. Est-ce qu'il faut se sacrifier ou pas? C'est la question que pose le film. Troisième film, Frédéric. Oui, alors, à propos de science-fiction, il va y avoir dans 2 ou 3 mois le film de Ridley Scott, Alien, oui. Covenant. Oui, oui.
J'irai le voir parce que j'adore ce... Mais je crains beaucoup parce que d'abord Ridley Scott est quelqu'un qui dans ses derniers films a montré qu'il était sur une pente descendante. Mmh. Puis je ne vois pas dans le même genre qu'Alien qu'il avait déjà fait, puisque Alien 1, 2, 3, 4, etc. J'ai l'impression que ça va être un petit peu pénible, mais enfin on verra. Sinon, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu le film de Juniau. Oui, alors bon, le ça titre... date déjà un petit peu, La vie est belle, musulman, etc. C'est ça, point oui. de suspension. La vie est parce que maintenant, tout de même belle, non ? Et donc ce film de Gérard Juniau, la première partie j'ai beaucoup aimé, c'est l'histoire d'un homme qui est responsable évidemment, il a fait une, c'est un homme qui conduit bien puisque normalement il a fait des rallyes, il était connu, etc. Mmh. etc. Ben, un jour il fait le con sur la route, il se tape un poteau et son fils meurt. Mmh. Bon. Donc il va à l'enterrement, il se fait rejeter par son ex-femme parce qu'il a divorcé, etc. Parce qu'évidemment il est arrivé en retard à l'enterrement, il était toujours en retard. Bon, c'est... Et, ça fait beaucoup. Il se trouve que le cœur de son fils a été greffé chez un jeune garçon. C'est ça. Il donc, va adopter, il est en pleine dépression. Il va alors, adopter on le, voit, le jeune garçon. Alors, oui. Non, il est en... C'est pas aussi simple que ça. Donc, il est en dépression totale en Bretagne. Oui. Magnifique décor, etc. La première partie, très bien faite psychologiquement. Les dialogues sont très bons. Lui est très bon aussi. Il est meilleur, à mon avis, en un peu tragique ou oui. avec sa tête de clown, là, plutôt que quand il fait rire. Et donc, ça, c'est bien vu. Il est en dépression, il y a sa maîtresse qui n'arrive pas à le voir, il la balance, sa maîtresse c'est la zozote là, elle fait les cheveux sur la soupe, donc il n'a pas grand intérêt dedans. Mais la deuxième partie, j'ai été déçu, pourquoi ? Parce que les écrits, les paroles sont intéressantes, mais n'en vont pas du tout dans la bouche de l'adolescent, qui est, excusez-moi, un petit con, genre petit délinquant, absolument acculturé ni rien, bien sympathique, mais enfin qui vole une voiture, qui fait le machin, etc. Et ça devient du n'importe quoi dans la deuxième partie, avec un happy end ridicule, ouais. Ils voulaient aller en Australie, ils vont tous se retrouver en Australie, il s'est remis avec sa maîtresse, ça va, tout va bien, etc. Ça devient ridicule. Donc le problème, c'est que Juniau a de l'imagination, ça n'est pas un grand metteur en scène, et il fait ce qu'il y a de plus difficile, c'est-à-dire il veut jouer sur la tragique comédie. Oui. Il fait deux sketchs comiques dans la première chose qui sont complètement incongrus, mais très drôles. Mais là, ensuite, la deuxième partie de son film, il ne tient pas son film, il ne réussit pas à tenir son film. Mais est-ce que ce n'est pas un biais français, ça ? Moi, j'ai l'impression que systématiquement, pas tous comme les Français ont tendance à vouloir faire une tragédie avec un happy end. Moi, pour moi, c'est un film qui me fait penser à celui où déjà jouait Juniau, qui était Une époque formidable, qui est un film qui date des années 80 ou début 90, qui questionnait le chômage avec beaucoup d'intelligence. Et... Oui, il avait fait l'histoire aussi, puis nos simples flics, oui. aussi sur des histoires de police, mais... Celui-là est plus élaboré et je trouve que la première partie, j'étais très agréablement surpris et ensuite je me suis ennuyé vraiment jusqu'à la fin et la fin ne tient pas la rampe, il ne tient pas le film. Bon. Alors par contre, il y en a un que j'ai beaucoup aimé, c'est Cessez le feu. Ah oui. De Courcol. Oui. Courcol a fait ce film-là en hommage à son grand-père qui était dans les tranchées de Verdun. Ah oui, qui oui. était en 14-18. Donc vous commencez par une séquence dans les tranchées. Oui. Vous vous sentez mal, parce que vraiment, c'est horrible. Moi, j'arrive plus à voir ces images-là quand on en voit tellement... Je trouve ça effroyable. Et c'est l'histoire de quelqu'un... L'expérience la plus terrible que j'ai faite, c'est le nouveau... c'est pas un spectacle, mais la nouvelle scénographie au Puy du Fou. Philippe de Villiers et son fils font passer les gens dans une tranchée couverte. Et avec, on entend les bruits des bombardements et c'est plein de poussière avec des produits techniques très bien foutus. Enfin, on a déjà vu pas mal de... Et c'est un homme blessé qui écrit à sa femme en lui disant « tout va bien », il la trompe et on en sort... À propos de ça, d'ailleurs, on pourrait dire, rappeler aux gens que dans la ville de Meaux, il y a le musée de 14-18, que je suis allé voir déjà deux fois, qui est absolument remarquable. À Meaux. Ah oui, à Meaux, dans la ville de M. Oui, Copé. Oui. Il est remarquable, ce musée. Très bien. Magnifique. Donc c'est quelqu'un qui en est réchappé. Il a un frère qui est mort au combat. Il en a un autre qui est joué par Gadebois, mais enfin, je ne l'ai pas trouvé très convaincant. Très convaincant, qui est resté un petit peu muet, aveugle, enfin muet, sourd et bon. Bien abîmé. Bien abîmé. Et lui part en Afrique,
Il laisse tomber, il ne revient pas, il part en Afrique. Et là, il y a des séquences assez, assez drôles parce que c'est très africain. Alors, il a son second qui se fait assassiner après, mais qui était donc un deuxième classe ou un caporal de l'armée française avec lui. Lui était officier. Et alors, on voit tout. Ça, c'est très intéressant. Il faut se remettre dans cette période de 14-18 quand même en Afrique. On est quand même assez... on ne sait pas maintenant, hein, c'est l'Afrique de 14-18. Et on voit ce jeune noir qui est là, qui a fait la guerre, qui va dans les tribus et qui monte. Alors, il remet son chèche, il remet son fusil, il montre comment il embrochait les boches, etc., etc. Il fait des vraies scénographies auprès des gens. Mmh. Et puis, vous avez Romain Duris qui joue le rôle, et il est très bon, qui joue le rôle, donc, cet officier qui revient, qui échange, par exemple, des masques à gaz contre des masques africains et qui les revend en France, etc. Enfin, bref, c'est dingue noté. Toute cette partie en Afrique est très bien faite. Et puis, il revient. Alors là, effectivement, il fait la rencontre de Céline Salette, qu'on voit beaucoup en ce moment, qui était très bien dans le film précédent qu'elle a fait. Là, elle est moins convaincante parce qu'elle joue un peu l'amoureuse, machin, etc. Et surtout, c'est la professeure de la langue des signes pour le pauvre gars de bois. Alors, on a le droit à deux ou trois séances, un petit peu longues pour moi, sur l'apprentissage de la langue des signes, mais c'est quand même un très beau film qui est fait en hommage aux gueules cassées, si en fait toutes les conséquences psychologiques, les séquelles bien de sûr, la guerre. Alors, vis-à-vis de cette femme-là, etc., vis-à-vis de sa mère, etc., et de son frère qui est handicapé, c'est très très bien fait, c'est réussi, c'est un beau film. Très bien. Bon, ça nous en fait trois quand même. C'est une description qui fait rêver, je dois dire, parce que moi j'en ai. Tu l'as vu ou pas ? Non, malheureusement, parce que je dois dire que j'en ai un peu ras la casquette d'avoir des films sur la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Et il y a encore un film sur le procès de Nuremberg qui va sortir. Moi j'en peux plus, c'est un sujet. Oui, mais enfin, ça c'est pas du tout pareil. Non, mais enfin, c'est toujours la même chose. C'est un autre sujet. Tu parles de quoi, le procès de Nuremberg ? David Irving. Le procès, ça s'appelle. Le procès du siècle. Oui, oui. Non, c'est pas sur Nuremberg, c'est sur David Irving. Et vous, alors Frédéric, parce que vous êtes vraiment celui qui a le plus travaillé. Non, mais travaillé. Je voulais juste signaler, parce que pour ceux qui aiment Jacques Becker, il y a quand même trois reprises qui sont intéressantes. Oui. Touchez pas au Grisby de 53 avec Gabin, Ventura et Jeanne Moreau, donc un grand classique qui est assez lent. Maintenant, on n'est plus habitué à ce genre de films policiers qui sont beaucoup plus rapides après, mais c'est toujours intéressant, ne serait-ce que pour voir Gabin, Ventura et Jeanne Moreau. Vous avez Le Trou de Jacques Becker, film ultra connu des années 60, et Casque d'or de 52 avec évidemment Serge Gainsbourg et Simone Signoret, qui est quand même un classique. Très bien. Un grand classique. Ceci étant, alors, cessez le feu. Alors, le procès du siècle. Alors, le procès du siècle, j'ai du mal à en parler parce que c'est difficile d'en parler. C'est un sujet qui est très touché. D'abord, il y a des lois. je vais y venir. Justement, le sujet, c'est ça. C'est que c'est tiré d'un fait réel. Donc, ce fait réel, je n'ai pas regardé. C'est un procès qui a été fait à David Irving. Oui. Qui est un historien, pas un historien reconnu, mais quelqu'un qui a travaillé l'histoire, qui est assez ambigu. Parce que d'un côté, il dit des choses qui sont vraies, c'est-à-dire qu'il a montré les crimes aussi des Alliés. Hein, quand vous avez 45 000 morts aussi sous les bombardements anglais et américains en France qui n'étaient pas nécessaires, il en a parlé. Mais d'un autre côté, quand on parle des camps de concentration, etc., ça n'est pas un négationniste. C'est un révisionniste. Un révisionniste, c'est normal, on a le droit de réviser l'histoire. Sauf qu'en France... Voilà. Pas celle-là. Donc, pas alors, celle-là. Ce qui est ambigu dans le film et qui est biaisé dès le départ, c'est qu'effectivement, c'est l'histoire de la personne qui fait un procès à David Irving, qui nierait en disant « il n'y a pas eu de camp de concentration à tel endroit ». Évidemment, c'est les Américains qui l'ont reconstruit, il n'y en avait peut-être pas dans cet endroit-là, mais il y en avait ailleurs. Donc tout ça, il faudrait vérifier. Tout ça, c'est très difficile. Et... c'est pris. Alors, celle qui joue, c'est évidemment Rachel Weisz, qui est juive, qui est mignonne, etc. On est là. L'homme, je ne vous dis pas, il a une tête. Il a une tête de traître. C'est lui qui a joué le peintre qui est toujours de mauvaise humeur. Renoir. C'est Renoir. Oui. Donc, il a une tête de traître. Donc, déjà, il y a le manichéisme déjà des deux personnages dès le départ. Bon. Ceci étant, il y a toute la partie juridique qui est très intéressante. Comme savent le faire les Américains, pourquoi ? Parce que les avocats ne sont pas du tout d'accord avec leur cliente, parce qu'elle, elle veut faire venir tous les pleureurs, enfin j'exagère un peu, mais tous ceux qui ont souffert, les Juifs qui s'en sont sortis, pour venir dire voilà ce qui s'est passé, venir pleurer, etc. Ils disent, c'est pas comme ça qu'on va la voir,
je n'en veux pas. Donc ils s'opposent à elle, parce qu'ils ont une tactique qui est très intéressante, que je ne dévoile pas, c'est la grande partie du film, et ça c'est très intéressant, c'est très bien fait. Ceci étant, c'est très difficile d'en parler, parce qu'on ne sait pas exactement la vérité, parce que pourquoi on a la loi Guesso, loi qui a été votée juste après les palinodies du cimetière de Carpentras, ils l'ont votée avec 10 ou 15 députés de nuit à toute vitesse, à l'époque, même, tous les gens, même de droite comme de gauche, beaucoup d'intellectuels ont dit que c'était une loi inique, parce que ça veut dire vous n'avez pas le droit de parler du passé, parce que le passé a été déterminé par le tribunal de Nuremberg, c'est-à-dire vérité historique est tenue par les juges. – Absolument, voilà. Nous sommes dans un pays très très démocratique, non, non. Donc pas. La vérité est tenue par les juges. Alors c'est terminé, c'est-à-dire que pour expliquer, si on continuait comme ça, c'est-à-dire que si cette loi avait été faite avant, eh ben on dirait toujours… qu'on ne pourrait pas dire autrement que Katyn, où une quinzaine de milliers d'officiers polonais ont été tués par les soviétiques d'une balle dans la nuque, ben on dirait toujours que ce sont les Allemands, parce qu'on n'aurait pas le droit de revenir dessus. Donc il n'y a pas de recherche historique là-dessus. C'est ce qui est gênant quand on voit le film, parce qu'on se dit « je voudrais bien savoir exactement donc, ce qui s'est passé ». Donc finalement, il ne remplit pas sa fonction. Non, pas tout à fait. Même, c'est la partie juridique qui est très intéressante. Ouais. Le reste. Je veux dire, ils ratent leur but, en fait. Ils veulent montrer. Non, parce que David Irving, effectivement, il cherche à dire oui, mais quand il y a eu la décision de mettre les Juifs dans les camps de concentration et de les gazer, c'est Peiter qui l'a prise, c'était une réunion avec, etc., etc. Tout ça, ce sont des points, j'allais dire, de détails. Le résultat, c'est qu'effectivement, on a vu ce que c'était. C'est dramatique. Alors. Qu'est-ce qu'il disait de vrai, qu'est-ce qu'il disait de faux? Il en rajoutait, c'est certain. Mais on n'arrive pas à savoir la vérité là-dedans, parce que, bon, il faudrait se plonger dans des tas d'ouvrages. Et puis, c'est quelque chose qui est clos, on ne peut plus en parler. Très bien. Donc, en tout cas, trois bons films, chers amis de TV Liberté. Bienvenue au Gondwana. Si vous voulez rire, Cessez le feu, un petit peu moins drôle, mais très important sur la guerre de 14. Et Life. Origine inconnue. Si on aime la science-fiction. Merci beaucoup Maxime, merci Frédéric, amis de TV Liberté, à très vite. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette émission sur l'art en beauté, nous avons invité notre ami et grand peintre Jean-Marc Vinclair. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Anne. Vous l'avez déjà entendu et vu, chers amis de TV Liberté, puisque nous avons fait un zoom, comme on dit dans cette télévision, sur son œuvre, puisque c'est un grand peintre, très, très inspiré du XVIIIe siècle qu'il aime beaucoup. Donc vous pouvez aller sur son site, ceux qui n'auraient pas écouté la première émission, jeanmarcvinclair.com tout simplement. Et aujourd'hui nous avons demandé son œuvre, son aide pour approcher l'œuvre de Vermeer. Et nous avons envie, qui est à l'honneur en ce moment au Louvre, l'exposition va fermer fin mai, et nous avons eu envie d'essayer de comprendre pourquoi cette œuvre est si étonnante. J'ai appris qu'elle avait été découverte, si je puis dire, redécouverte au siècle dernier. Au 19e siècle. En 1866. Vous avez 1866. 1866, alors que les dates de Vermeer, c'est 1622. 1632. Oui. 1632. 32, pardon. Oui, 34. Oui. Et alors, il a eu effectivement deux naissances. Sa naissance à l'état civil, oui. Avec un papa qui s'occupait. C'est lui qui s'occupait de tavernes et qui s'occupait d'auberges et qui recevait des artistes oui, chez lui. Et qui était aussi marchand d'étoffes. Et il était marchand. Enfin, il faisait plein de choses. Oui. Et puis, il était né dans une famille calviniste, protestante. Oui. Et puis. Ce qui est très important, parce que tous les tableaux de Vermeer et
de ses confrères du temps, sont des tableaux dits de, sont des scènes dites de genre. Des scènes dites de genre. Alors que chez les catholiques à la même époque, ce sont des sujets d'histoire et de religion. Et de religion. Et de religion. Et c'est quand même très important parce qu'il faut quand même bien rappeler que la Hollande a été le lieu, le théâtre d'une guerre terrifiante et que les protestants ont supprimé tous les lieux de culte catholiques et on est arrivé à cet iconoclasme. Il faut bien le dire. C'est une forme d'iconoclasme. L'iconoclasme protestant. Plus d'images pieuses, plus d'images sacrées dans les églises. Mais cela dit, ce cher Johannes Vermeer, à 21 ans, il épouse une catholique, Catalina. Il épouse une catholique, ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose. Pour un catholique, évidemment, pour un protestant, c'est l'abomination de la désolation. Mais la maman de cette Catalina, elle est richissime. Elle est richissime. Ça, je ne connaissais pas ce détail. Et par ailleurs, donc il commence à se faire connaître à l'âge de 21 ans, c'est-à-dire en 53. Et là, il peint trois scènes qui ne sont absolument pas des scènes de genre, qui sont des scènes... Alors, il y a le Marthe et Marie et Jésus, qui est de 53. Il y a une scène qui est à peu près de la même époque, qui représente, alors je ne sais plus si c'est Diane et Actéon, ou enfin une scène mythologique, et puis une copie de Sainte Praxède d'après un Italien. Et c'est juste après qu'il commence à se lancer dans les scènes de genre. Les scènes de genre, en fait, il y en avait beaucoup avant, mais on considère que l'apogée de la scène de genre dans le siècle d'or hollandais, qui en gros va du 17e, mais de 1650 à 1680, l'apogée de la scène de genre moderne, c'est-à-dire où il n'y a plus 30, 40, 50 personnages, mais quelques figures, et où on se concentre sur les expressions des visages, sur quelques objets symboliques, ça c'est vraiment moderne, et ça date des années 50, 55, et il y a toute une flopée de peintres comme par exemple Gabriel Metsu, comme par exemple Peter de Hoor, qui sont aussi une exemplification de ce... Voilà. Alors, effectivement, on avait démarré en disant qu'il était très mystérieux, ce grand Johannes Vermeer, parce qu'il est né deux fois. Il est donc né à sa naissance, et il est né en 1859 parce qu'il y a un critique d'art français qui s'appelle Étienne Joseph Théophile Thoré-Burger, lequel a vraiment fait connaître à toute l'Europe qui était ce Vermeer. Alors, vous vous souvenez de l'exposition de Vigée-le-Brun ? Oui. Eh bien, le mari Pierre avait déjà remarqué en 1780 dans une vente. Qui est marchand de tableau. Qui était marchand de tableau, qui est mort ruiné d'ailleurs. Oui. C'est sa pauvre femme qui a payer les dettes de son mari. Et en 1780, il avait remarqué deux choses qui se sont retrouvées en France, l'astronome et le géographe. Oui, il avait du nez. L'astronome s'est retrouvé chez les Rothschild, et le géographe, je ne sais plus chez qui il s'est retrouvé, mais en tout cas, l'astronome maintenant est au Louvre, parce que Guy Rothschild l'avait donné au Louvre. Alors, il n'était pas complètement inconnu, de même que, par exemple, l'Entremetteuse, qui est un des premiers grands tableaux qui rompt avec cette tradition historique à laquelle Vermeer s'était attaché tout à fait au début. Goethe lui-même, en 1793 ou 94, l'avait remarqué aussi. Mais ce qui s'est passé, c'est que Johannes Vermeer avait un protecteur qu'il a eu la chance dont il a eu la chance de faire la connaissance très rapidement. Il avait 26 ans à peu près, c'est-à-dire dans les années 57-58. Et ce monsieur s'appelle Peter Claes van Rijn. Alors je ne sais pas comment ça se prononce. Et il était à Delft. Delft était une petite ville de 25 000 habitants, autant dire que c'était une très grande ville, et toutes ces villes étaient en communication entre elles grâce à des canaux, grâce à des chemins de halage et tout ça, et tous les peintres étaient en réalité en communication les uns avec les autres. Mais entre ce monsieur Peter Claes et sa belle-mère très riche,
Qu'est-ce que ça a permis à Vermeer de faire que les autres n'ont pas pu faire? Premièrement, de ne faire que deux tableaux par an. Or, avec deux tableaux par an, ça représente à peu près 15 000 florins, c'est-à-dire le prix d'une maison patricienne à Amsterdam, ça lui permettait de simplifier, de sublimer, de synthétiser, de se concentrer énormément sur tout ce qui représentait la représentation de l'espace, et puis se concentrer sur tout ce qui pouvait provoquer un effet lumineux, sans mettre juste un objet qui brille, ou sans mettre restons sur cet exemple extraordinaire. Oui, c'est-à-dire que là, nous avons une paroi derrière qui est nue, oui, mais vraiment nue. Il y avait d'ailleurs au départ avant, parce que quand on regarde au rayon X, il y avait une carte derrière. Ah oui. Et puis Vermeer s'est dit non, ça trop. Parce que visiblement c'est une cuisine, donc pourquoi une carte dans une cuisine? Est-ce que c'est une cuisine? Est-ce que c'est un recoin de la laiterie? Ouais, la laiterie. Oui. Ça pourrait être. Enfin, il y a une petite chaufferette, mais on ne voit pas de fourneau. Alors bon, on a expliqué parce qu'il y a tout un symbolisme. Quand on regarde par exemple, il y a toujours une fenêtre. Il y a souvent une fenêtre sur la gauche. Sur la gauche, et quelquefois un des carreaux est brisé, pour expliquer précisément que la lumière qui vient à travers la fenêtre n'est pas celle de Dieu, mais que celle qui vient par le carreau brisé est la lumière telle qu'elle est créée par Dieu. Ah, et qui est une espèce d'allusion, ou très poétique, à la transcendance de la lumière divine. Ça, c'est quand même déjà une idée extraordinaire. Ah oui, ben, attendez, on était pétris de tout ça, que ce soit chez les protestants ou chez les catholiques. Bien sûr, bien sûr. Évidemment, quand on regarde cette laitière, on se dit, ben, elle n'est pas particulièrement mignonne, elle n'est pas particulièrement... Alors, elle a tout de même... Elle est très joliment habillée. Elle a tout de même une particularité, elle est tout en rondeur. En rondeur. Non? Ah, c'est sûr, oui, elle est toute en rondeur. Ce qui me frappe, c'est la rondeur de sa coiffe, de ses joues, de ses épaules, de son front, bien sûr, de son menton, du décolleté de sa robe, oui, de la courbe de ses seins. Oui. J'ai une impression d'une femme très épanouie. D'une femme très épanouie, et d'ailleurs, les rondeurs se retrouvent sur la miche de pain, se retrouvent sur la jarre dans laquelle elle verse la cruche. Et puis, oui, c'est vrai, et c'est tout sauf une minette, comme on dit. C'est tout sauf une minette. C'est tout sauf une minette. Et alors son travail, elle est là, elle fait couler le lait de façon extrêmement fine. On dirait, j'ai pensé à ça ce matin, on dirait l'écoulement des grains du sablier. Ah, c'est intéressant. Alors, je dis ça parce que un des critiques d'art nous dit, au lieu, elle pourrait verser beaucoup plus, parce que le col de la cruche est très large, oui, et le récipient est très large. Donc, elle pourrait y aller beaucoup plus franchement. Et là, il y a juste un petit filet. Est-ce que vous pensez qu'elle fait durer l'action de manière à se plonger dans une forme de contemplation? Parce que... Alors, est-ce qu'il n'y a pas une raison... mystique Alors, il y a une raison, à mon avis, matérielle. Il ne faut pas verser trop vite le lait pour que le lait se dépose dans le fond de la jarre. Pour que le lait se dépose, ça, c'est... Oui. Mais l'intérêt de cet acte très lent, c'est qu'en effet, la scène, on a l'impression que la scène est... c'est un temps long qui est immortalisé, qui ne bouge plus. On est dans un présent, oui, éternel, en fait. Je pense que c'est effectivement ce qu'on pourrait dire de beaucoup de tableaux de Vermeer, qui, voilà, à force de simplifier, à force de synthétiser, il y a un peintre, ça va paraître peut-être un peu saugrenu, mais qui a fait un peu la même chose au XVe siècle en Italie, qui s'appelle Piero della Francesca. Absolument. Piero della Francesca a fait exactement le même genre de travail, c'est-à-dire simplifier, se concentrer sur l'essentiel, éviter tous les éléments décoratifs, contrairement à Ghirlandaio, contrairement à tous les autres. Et on retrouve cette espèce de sobriété et de... On retrouve même ça chez Poussin. Poussin élimine le détail. Oui. Et c'est une forme d'esprit qui essaie de donner... Quand on donne l'essentiel, on n'est pas distrait par toutes sortes de détails. Absolument, absolument. Et à ce moment-là, l'image reste. Oui, oui. Et alors, il y a quand même des choses absolument passionnantes, parce que
il est quand même nordique, notre ami Vermeer. Et quand on regarde la manière dont il a travaillé la miche de pain, ou les miches de pain... Là, il y a une lumière dans cette miche de pain. Il y a une lumière, mais il y a des... Donc, quand on regarde la manière dont il met les touches, les pointillistes, deux siècles après, n'ont pas fait mieux. Non, lui ne fait pas de théorie. Il est simplement en train de suggérer, par des points et non par des touches, le relief du pain, sa consistance... J'allais dire son odeur. Oui. Ah oui, oui. Je m'aime bien la chaleur. On a l'impression qu'il est tiède. Voilà, c'est ça. On a l'impression qu'il est tiède. On a envie de le croquer. Et puis alors, ce petit détail que Éric Bietri-Rivière, dans le Figaro, nous a fait remarquer. Alors, donc, c'est une femme qui travaille. C'est une scène très. Très rigoriste, mais il y a dans un petit coin. Il y a les petits amours. Alors il y a deux choses. Il y a la petite chaufferette que l'on voit en bas à gauche du tableau, que les femmes mettaient sous leur jupe pour se réchauffer de froid, dans des pièces qui n'étaient quand même pas très chaudes. Et puis la petite bande de carrelage. Oui. Et c'est ce sont des petits amours, des petits cupidons avec un arc et des flèches. Avec un arc et Et les deux sont passés à côté. Alors, on pourrait presque dire que le patron qui a fait construire sa maison et qui était probablement très épris de mythologie antique s'était dit que ça faisait bien partout, y compris dans une laiterie, mais que la malheureuse laitière, elle n'avait absolument pas vu que c'était des cupidons. Et puis alors, il faut parler des couleurs qui sont... Parce que ce jaune et ce bleu reviennent souvent dans... Oui, mais alors le jaune et le bleu, à ce point-là de puissance, on ne le trouve pratiquement jamais dans Vermeer. On trouve des bleus plus atténués, on trouve des jaunes plus éteints, regardez celui-là est plus éteint. Oui, c'est vrai. Et puis on trouve des rouges qui sont quand même plus discrets. Là, ce qui est frappant, c'est que les trois couleurs principales, le jaune, le bleu et le rouge, sont pétants. Ouais. Ils sont pétants, mais... Qu'est-ce qui se passe? Derrière, il n'y a rien. Alors, quand on commence à mettre derrière un rideau, par exemple, mettre des tapis, on aime bien mettre en premier plan un rideau. Là, il n'y a pas de rideau, il n'y a pas de tapis. Il y a cette espèce de linge qui est à peu près de la même couleur que le tablier. Et puis le vert de la table est un vert gris qui ne provoque pas. Non, non. Alors, évidemment, on pourrait aussi regarder la teinte de la cruche. La cruche est effectivement bleue, donc il y a un rappel du tablier et l'autre cruche est de la couleur de la robe. Et le reflet du haut de la laitière dans le cuivre, c'est quelque chose qui est en cuivre. C'est ça, voilà, oui. Ah oui, parce que le jaune se reflète dans l'objet en cuivre. Ouais. Enfin, il y a quand même, avec cette déclaration « j'aime la couleur », oui, mais je la fais rimer avec tout ce qui se passe dans le tableau. Voilà, pour vous dire, je savais que Jean-Marc Vinclair nous serait d'une aide précieuse pour approcher cette œuvre fabuleuse. Vous êtes allé voir aussi, Jean-Marc, la belle exposition « Le baroque des Lumières ». Ça, c'est une exposition qu'il faut absolument aller voir et revoir. Elle est au Petit Palais. Il n'y a pas trop de queues. Non, on ne se précipite pas. On ne se précipite pas, non. Et c'est bien dommage. Alors, ce qui est amusant, c'est déjà le titre, parce que... Le baroque des Lumières. Le baroque des Lumières, parce que les Lumières sont justement une époque où on a voulu supprimer l'importance de la religion, c'est évident. C'est-à-dire que le baroque est né de la contre-réforme. La contre-réforme est à l'opposé, aux antipodes de ce qu'on a voulu faire à l'époque de Voltaire. Donc déjà, le titre est paradoxal. Mais l'intérieur est magnifique, d'abord parce que ils ont fait une mise en scène merveilleuse, ils ont recréé une église.
Donc les tableaux sont en position. Mais ces tableaux, d'où viennent-ils ? Ben de toutes les églises de Paris. De toutes les églises de Paris, y compris celles qui ont disparu, celles qui ont été détruites dans la période bénie de la Révolution. Et donc, ce sont des tableaux qu'on ne voit jamais puisqu'ils sont beaucoup trop hauts. Ils sont… Oui, alors ça, c'est une chose dont on peut quand même remercier les musées, parce que les musées ont quelquefois décroché des choses inatteignables, que ce soit dans les églises ou que ce soit dans les hôtels particuliers, des choses qu'on ne voit pas parce qu'il fait trop sombre ou parce que c'est trop haut. Et là, on les voit. Et là, on les voit. C'est un grand… C'est vraiment un très Figurez-vous que j'ai un cousin totalement protestant, imperméable à l'art religieux, qui s'est enthousiasmé pour cette exposition du Petit Palais. Et puis alors, il y a quelque chose de très touchant, c'est la célébration des saints qui ont créé des grandes congrégations. Ce siècle est un siècle où l'on aime l'action. Et les évangélisateurs sont mis à l'honneur. À l'honneur. Et donc on a des très beaux tableaux sur Saint-Vincent de Paul. Donc c'est vraiment un très très… Puis alors, le musée du Petit Palais est délicieux. J'y suis allée un jour de soleil. Et donc j'ai parcouru les autres galeries. Mais il y a des choses passionnantes. Il y a des choses très belles. Et puis en plus, à l'intérieur, il y a un jardin, il y a une galerie. Et on peut prendre le thé. On peut même prendre un petit café ou une petite pâtisserie entre deux salles. C'est un endroit très agréable. C'est un lieu béni des dieux et de Dieu. Et de Dieu. Donc, deux expositions, chers amis de TV Liberté, le baroque des Lumières et la très belle exposition de Vermeer au Louvre. J'ai appris qu'il y avait des trois nocturnes en semaine. Ah. Donc peut-être qu'en semaine, il y a moins de monde, le soir. C'est-à-dire à partir de 8 h du soir. Oui, voilà, parce que peu de gens sacrifient leur repas pour aller au musée. Ça, c'est… Écoutez, on a eu jeûne et abstinence pendant 40 jours, depuis le mercredi décembre. On peut essayer de réparer ce qu'on n'a pas fait pendant le carême, pour l'amour de l'art. Merci beaucoup, Jean-Marc Vinclair. Ah, ma chère Anne, mais c'est toujours une joie. Et à très bientôt, chers amis de TV Liberté. TV Liberté, bonjour. Pour cette chronique L'art en beauté, nous avons invité deux compositeurs de musique. J'ai nommé Laurent Studer. Bonjour Laurent. Bonjour Anne. Que vous connaissez, vous l'avez déjà écouté. Et notre ami Guy-Claude Luyparthe. Bonjour Guy-Claude. Bonjour. Que vous connaissez puisque Guy-Claude nous a offert un concert l'année dernière. Petit concert de flûte, puisque vous nous avez consacré, je crois, une demi-heure de musique. Et cette performance se trouve sur notre site de TV Liberté. Ah, perle de culture, Guy-Claude Luyparthe. Alors, c'est un sujet très mystérieux, la composition. On est plein de respect pour vous qui, avec des notes, pouvez créer une mélodie. Donc, pouvez-vous nous dire, Laurent Studer, nous allons illustrer cette émission avec des morceaux de musique et, chers amis de TV Liberté, vous pouvez retrouver les musiques de Laurent sur Internet en tapant tout simplement sur YouTube, comme les musiques de Guy-Claude. Comment est-ce que vous êtes tombé dans la musique, j'ai envie de dire? Est-ce que votre famille était très musicienne, mélomane? Non.
Ben, je dis non aussi. Ben, c'est-à-dire que tout le côté de ma mère s'était divisé en deux. Il y avait d'un côté des prêtres et des musiciens. Voilà. Ah, quand même, oui. Oui, oui. Donc, il y avait un lourd passé dans la prêtrise et beaucoup de musique à la maison, de chant, voilà, mais en amateur. En amateur. Donc, moi. Mais c'était une époque où les amateurs étaient assez savants. Tout à fait, tout à fait. Et même le violon s'apprenait autrement. Il y avait une autre technique de violon sans coussin qui était beaucoup plus physique, beaucoup plus cordiale avec l'instrument. C'est joli ce que vous dites. Oui, oui, oui. Méthode oui. cordiale avec l'instrument. Ah oui, parce que la vraie technique de violon, c'est la technique des années 30-40. C'est la technique sans coussin de Christian Ferras, même Menuhin, c'est sans les coussins. Et vous avez commencé par être violoniste. Oui, oui, oui. Le violon est arrivé tard, mais j'ai composé depuis très jeune. Depuis, il y avait un piano chez moi, et depuis j'avais 5-6 ans, je me rappelle, je jouais d'oreille la cantate 147 de Jean-Sébastien Bach, et j'étais fasciné par ça, voilà. Après, il y a eu différents... Donc, vous aviez une grosse hérédité, déjà. Oui, oui, oui. Et j'étais fasciné. Et quand j'y repense, je me dis... Et j'étais tout seul avec le piano, et j'étais fasciné par cette cantate, voilà. Et j'ai toujours composé, en fait. J'ai toujours composé avec le piano, en ne sachant pas spécialement. Après, j'ai appris le solfège, j'ai passé le violon. Et j'ai fait différents instruments. Et après, j'ai commencé le violon un peu tard. Mais la composition, c'est vraiment ce que j'ai toujours voulu être compositeur. Toujours. Et alors, comment... donc, vous travaillez dans un conservatoire, dans le 15e, à Paris, au conservatoire de Noyon. Ça, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. C'était en 96. Et alors, est-ce qu'on peut... alors, comment expliquez-vous cette composition? Est-ce que quels sont vos thèmes et quelles sont vos prédilections? En fait, quand je fais un retour sur moi, j'étais tout le temps fasciné par les compositeurs qui écrivaient sur une trentaine d'années, comme Franck, Wagner. Je me disais, mais c'est incroyable cette histoire. Ils font sur... Et c'est ce qui m'est arrivé, en fait. C'est ce qui m'est arrivé. Mes chants, je les ai composés en chorale, pour quatuor à cordes, mais en écrivant en piano. Et en étant inspiré de l'Évangile, de versets de l'Évangile. Et ces chorales instrumentaux, donc je les ai laissés pendant longtemps. Et par hasard... des amis sont venus chez moi et on les a déchiffrés, je les ai fait diriger, et après je les ai aboutis. C'est-à-dire que ce que j'avais fait, c'était en 88, j'avais fait 6 chorales que je trouvais bien, abouties, et que j'ai repris. Que vous avez repris. Là, et après j'ai complété. Et donc d'un côté c'était très long, et d'un autre côté je peux écrire en une semaine. Notamment le chant sur la Vendée, la tragédie de la Vendée, ou d'autres morceaux, très rapidement. Alors, est-ce que vous pouvez évoquer des morceaux? Par exemple, nous allons entendre Ailleurs, qui est une pièce pour piano. Alors Ailleurs, c'est une musique qui n'a rien d'une musique. C'est-à-dire que quand il y a des principes... C'est pas une sculpture. C'est-à-dire qu'il y a des principes. Moi, j'ai des principes de composition. Bien, il faut toujours avoir des principes. Oui, oui, oui. Le premier, c'est quand j'ai terminé, il faut que j'ai envie de le rejouer. Voilà, ça c'est un principe fondamental pour moi. Mmh. Voilà. Et il y a aussi les thèmes. J'ai envie de dire que ce n'est pas un principe, c'est une nécessité. Il y a un compositeur qui donne tout. Je voudrais que Guy Claude intervienne dans le débat, parce que vous êtes un compositeur. C'est une tradition. Ce que veut dire Laurent, c'est lorsque l'on compose quelque chose, on laisse de côté. Et le lendemain, quand on joue, on dit non, c'est pas ça, c'est pas possible. Voilà, c'est ça. Vous savez, c'est comme ça en écriture. Hein. Exactement. Il faut toujours laisser que reposer un texte. Que ce soit du littéraire ou de la musique, c'est exactement le même problème. Bien sûr. Et avoir à la tradition, c'est-à-dire une construction. Oui. Malheureusement, qu'on ne fait plus maintenant. Surtout pour la contemporaine.
Oui, ça, voilà. Ça m'a pas échappé. Voilà. Oui, entre les lignes. Parenthèse. Entre parenthèses, oui. Et pourtant, la construction, c'est très important. C'est le sens d'une œuvre. Oui. C'est très important parce que l'auditeur, en fait, ne comprend pas certaines choses. Il y a c'est comme les pas. Vous avancez dans la rue, vous avez une certaine cadence. Oui. La même chose pour la musique, pour les rythmes. Oui. Aussi, par exemple, des rythmes africains qui sont des pas. Ça, pourquoi ça plaît? Justement parce que c'est des pas. Oui. Et ça, pour la musique orientale, c'est la même chose. Pour la musique occidentale, c'est aussi la même chose. Oui. Il faut... Malheureusement, en Occident, on oublie ça. Mmh. On oublie les traditions. Et ça, ça ne peut pas aller très, très loin. Oui, puis il n'y a pas de sens. Voilà, il n'y a plus de sens. Si on ne marche pas, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de but. Donc il n'y a pas de... Et ça se reproduit dans l'art, en général, que ce soit pour l'écriture ou la peinture, tout ce que vous voulez. Oui, oui. Voilà. Il y a beaucoup d'écrivains qui se trouvent géniaux parce qu'ils ont aligné des mots, sans ponctuation, sans verbe. Ça n'aboutit à rien. Oui, exactement. Ils sont très fiers, mais ça n'aboutit à rien. Voilà. Et puis, on oublie une chose, c'est que l'auditeur veut entendre quelque chose de beau et non pas revenir chez lui avec un état de dépression intempestif. Oui. Surtout. Oui. Il veut entendre une phrase. Voilà. Et qu'il se retienne. La phrase, c'est la mélodie. Non ? Est-ce que c'est ça ? C'est pas une question de phrase mélodique. C'est une question de... Il y a un petit truc qui retient l'attention de l'auditeur. Mmh. Et ce petit truc, arrivé chez lui, il l'entend dans son oreille. D'accord. Voilà, c'est ça surtout. D'accord. Qui compte. Mmh. Et vous, Laurent, est-ce que l'idée de cette mélodie... Alors, si on revient sur Ailleurs, ce qui est spécial dans ce morceau que je trouve assez réussi, c'est qu'il y a une seule mélodie qui est complètement... c'est absolument interdit. Hein, il y a des interdits. Pourquoi il y a des interdits? Parce que ça détourne l'auditeur. Voilà, on ne répète pas cinq fois un même motif, sauf Schubert, bien sûr. Ravel. Oui, voilà. Donc, les principes, on ne répète pas sans cesse le même thème. Voilà, alors c'est ce que j'ai fait dans Ailleurs. Et quand je suis arrivé à la fin, j'avais envie de le réentendre malgré tout. Voilà. Il y a simplement un petit changement d'octave à un certain moment. D'accord. Voilà, et on est un peu ailleurs. Il y a aussi quelque chose de très important dans la composition qui est pour moi, c'est que dès qu'on entend une musique, on doit savoir où on va. Et on doit tout savoir. On a la couleur, on a l'instrument, on a le sujet, la présentation. Voilà. Je veux pas dire qu'on doit savoir où on arrive, mais on doit mettre dans un état. Et ce qui est très important aussi, c'est le titre, parce que le titre, on doit s'imprégner. C'est pas pour rien les titres. Et le titre, ça a été un grand souci pour moi, trouver le juste titre. Parfois, je ne savais pas, et c'était très compliqué pour moi. Le titre est très important. Et quand on écoute une musique, on doit s'imprégner du titre comme une poésie. Et alors, le titre qui est Romance. Oui. Alors, Romance, c'est difficile d'expliquer par les mots, parce que
Une romance, c'est une aventure amoureuse, c'est un péché qui peut être bon. Une idylle aussi. Oui. Une idylle aussi. Oui, donc c'est... La musique, en fait, c'est la limite de la transgression. Il faut pas, pour moi, il ne faut pas transgresser. Il ne faut pas transgresser... Transgresser quoi ? La sonorité, l'agression, d'accord. L'agressivité. D'accord, oui, oui. Hein? D'accord, oui, oui, c'est très intéressant ce que vous dites. Oui, oui. On doit... alors... Vous êtes d'accord, pour moi, Claude, Claude ? Oui, l'agression, ça me fait penser à un petit souvenir assez cocasse. Au conservatoire de Paris, il y avait une fille qui présentait un morceau, une superbe fille, merveilleuse. Le jury a dit « Oh, ça va être formidable ». Et au moment où elle a joué justement sur un violon, ça a été une horreur terrible qu'ils se sont dit ce qui se passait. Voilà, c'est amusant, c'est cocasse. C'était en complète disharmonie voilà. Avec la fille. Exactement, c'est amusant. Non, mais vous dites beaucoup de choses avec ce propos. Non, je dirais que pour compléter, lorsque Mozart disait... on lui demandait, est-ce que l'œuvre est finie ? Et il leur répondait, non, pas du tout, je l'ai dans la tête. Oui. Donc, jusqu'à la fin. Ah, c'est tout. C'est ça, parce qu'on pense déjà. Et ça, c'est important. Oui, oui, c'est sûr. Oui, voilà. C'est sûr. Oui, oui. Demande une énorme imagination, une vie intérieure. Absolument. Une vie intérieure. Parce qu'en fait, les yeux fermés et sans bouche fermée, vous entendez votre mélodie. Oui. Ben, c'est-à-dire que, oui. C'est-à-dire que c'est facile, de s'imaginer, comment dire, c'est exactement comme un poète qui a sa poésie et qui se la dit la nuit, en lui, comme ça, il récite. C'est l'absolue vérité, c'est l'absolue, on tient tout, dans le silence, on tient tout. Et après, Quand on la couche sur le papier, eh ben on essaye de rejoindre ça, voilà, et de le proposer. C'est pour ça que l'oreille interne, elle est, c'est vraiment une quelque chose d'extrêmement important. Extrêmement important. Mais tout le monde a ça. C'est quand on se rappelle des souvenirs, des images qu'on a, des peintures, on arrive à les voir à l'intérieur. Je vous pose une question. Oui. Est-ce que on peut être ému par un texte comme on peut être ému par la musique ? Ah oui. C'est ça qui est important. Absolument. Absolument. Il y a le vers de Verlaine, la poésie, le poème de Verlaine vous émeut. Alors, est-ce qu'il émeut aux larmes comme une musique ? C'est ça. Ça surtout. Oui, vous êtes fort, Guy Claude. C'est vrai que je n'ai jamais pleuré en écoutant un poème alors qu'un violon ou une voix vous fait, ou une flûte vous fait pleurer de bonheur. Oui. Oui. Je veux pas parler d'enterrement, mais souvent j'ai joué pour faire plaisir à l'un et à l'autre pour un décès, à une famille, et je revoyais souvent les personnes complètement émues par la musique. Donc, oui, c'est ça. Oui, mais là, je parlais de larmes en dehors d'un enterrement. Voilà, c'est voilà. Ça. Mais en dehors, je pleure en écoutant une musique extraordinaire, mais moi, sans enterrement. Moi-même, j'ai été ému par ma propre musique, par moments, des choses que j'ai redécouvertes. Ah oui. Et ça arrive souvent. Oui, oui.
On se prend à être ému par soi-même. Eh oui, oui, mais c'est parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus physique dans la, dans la musique. Et bien, je vais vous dire pourquoi. Parce alors que le texte est intellectuel. Qui reviennent. Certains souvenirs qui reviennent en même temps. Alors, c'est fait. Oui. De père ou de grand-père qui était là au moment où on a fait écrit. C'est tout un contexte. Non, mais je pense qu'il y a aussi une correspondance. Il y a des voix qui dès qu'elles s'expriment, vous percent le cœur. Oui, au sens exactement. Propre. Et j'aimerais bien vous savoir, dans un texte, si ça peut... Alors, ça, si ça peut le faire, ça émouvoir autant. Mais ça dépend aussi de la voix qui le dit, parce que le poème, il a besoin d'un intermédiaire. Suivant l'acteur. Il a besoin d'une voix, et c'est la voix qui émeut. Souvent. Il y a des voix qui... Donc, qui, c'est la voix et musicale. Et la voix... Donc, et voilà. Et voilà. Et on s'en rapproche de la musique. On s'en rapproche de la musique. Mais absolument. La vraie lecture, elle est silencieuse aussi. Et c'est la lecture la plus parfaite. On est là, on lit, on est bien, résonne. Oui, absolument. Il y a le même écho avec la musique. Absolument. Oui. Comment est-ce que vous... Ces musiques sont sur Internet, on peut les entendre. J'ai trouvé que beaucoup d'entre elles seraient merveilleuses pour illustrer des images, pour illustrer des films, pour illustrer des documentaires. Est-ce que c'est dans ce but-là que vous les mettez sur Internet, à la disposition de tout le monde ? Est-ce qu'on vous appelle en vous disant « Puis-je utiliser cette musique pour... » Eh bien, je leur fais un appel. Ça peut arriver. Ça peut arriver, oui. Oui, absolument. Je serais extrêmement... Et c'est un très bon outil, l'Internet, justement, pour ça, et pour faire connaître les compositeurs. Et j'en suis très... Parce que bon, il y a beaucoup de jeunes personnes qui se mettent à créer sur ordinateur, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce ne sont pas les musiques de films que l'on fait actuellement, justement, qui sont... On croirait un orchestre, c'est faux. Oui. Pas du tout. On arrive à recréer certaines choses. Et moi, je reconnais quand même la différence entre les vrais instruments. Et on a quand même... Il y a une petite différence. Oui, hein, c'est ça. Quand même. Il n'y a pas photo. Voilà, il n'y a pas photo. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a une grosse différence entre une musique créée comme ça... par un jeune homme qui croit qu'il peut tout faire, parce que notre jeunesse pense qu'elle peut tout faire, parce qu'elle a un ordinateur devant elle, et le vrai créateur qui écrit avec des notes, et qui a fait des études et qui sait manier une harmonie. Bah, c'est toute la différence. C'est toute la différence. Alors vous aussi, vos œuvres sont sur Internet, Guy Claude. Donc on tape Guy Claude. Un site. Vous avez un site, donc on peut aller vous entendre. Oui. Et ça vous est arrivé d'être, d'être demandé... Il me recontacte par mail. Disant, je voudrais tel ou tel morceau, pourquoi pas, voilà c'est tout. Voilà. Oui, ça me fait plaisir. On peut, et puis c'est une façon de gagner sa vie, non ? Ça peut gagner sa vie dans le sens que ça peut remporter de nombreux auteurs. Voilà. Oui, c'est dans ce sens. Bien sûr. Acheter malheureusement la musique sur Internet, il se passe que beaucoup de piratage. Oui, les gens prennent votre musique ils le vendent à votre place. C'est surtout ça qui est malheureux. Ah, qui arrive, oui. Ah oui. On est vraiment dans un monde de gangsters. Ah oui. un monde de copies. Copies. Et un monde de copies. Ouais, Ouais. Tout à fait. Copier-coller, oui, on prend des petits bouts de trucs, avec des petits bouts de trucs, on fait un petit machin, et que, enfin, maintenant, chacun compose avec ce qu'il peut, je critique pas quelqu'un qui va faire une composition avec l'ordinateur, les choses comme ça. Moi, j'ai une recherche poétique essentielle, donc à partir de là... on ne peut pas trop utiliser tout ce qui est informatique. Ça dépend. Moi, j'essaye de chercher une certaine, peut-être un peu prétentieux de dire ça, une certaine pureté de ce que je fais, et que chaque chose est extrêmement important.
Et très souvent, j'ai la tentation de rajouter une note et je veux dire, je me fais violence, je me dis mais non, mais arrête, c'est pas le sujet. Parce que dès qu'on met une note, ça veut dire qu'il y aura une réponse ailleurs, un écho. On peut pas mettre une note n'importe où. Vous savez, la pureté, c'est la simplicité. La simplicité, c'est la pire et la meilleure des choses. La ligne, voilà. Toute simple, toute c'est simple, tout. Oui. C'est justement le secret de la musique. Le secret de la musique. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, Guy Claude. Je vous en prie. Luipart, vous avez sur Internet le site de Guy Claude Luipart. Et merci beaucoup, Laurence Tudère. Et ce CD, on peut se le procurer sur votre site. Oui. On le demande. Donc, Laurence Tudère, pièce pour piano, musique de chambre, chant et chorale. C'est un petit CD très, très riche. Oui, et toute une vie. Toute une vie, et merci beaucoup. Merci à tous les deux. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre chronique de Perles de Culture.